Konnichiwa! Nous allons découvrir ensemble le grand maître de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki. Le jeune Hayao est le deuxième enfant d'une fratrie de quatre garçons. Son père, Katsuji Miyazaki, était le directeur de Miyazaki Airplane, une entreprise aéronautique qui fabriquait des pièces d'avion. Cela a beaucoup influencé l'œuvre de Miyazaki. Les avions sont présents dans de nombreux films et séries. Hayao Miyazaki s'inspire aussi de sa mère, Yoshiko, dans ses histoires. Yoshiko souffrait d'une forme de tuberculose et passait de nombreux mois à l'hôpital ou en cure à la campagne. On la retrouve dans le personnage de Yasuko, dans Mon voisin Totoro, une mère dévouée qui garde un œil sur ses enfants malgré sa maladie. Ou encore incarnant Captain Dola, une mère avec une forte personnalité qui dirige ses nombreux fils. Enfin, on la retrouve dans le personnage de Sophie, dans Le Château ambulant, incarnant une femme forte et déterminée. Miyazaki fut marqué par les bombes de la Deuxième Guerre mondiale. Il a dû être évacué avec sa famille en 1944. L'arbre gigantesque dans Mon voisin Totoro est directement inspiré d'un champignon atomique. Le thème de la guerre est présent dans de nombreux films. La colline au coquelicot, Le vent se lève, Mon voisin Totoro, Le tombeau des lucioles, etc. Miyazaki s'inspire de la littérature classique. Dans son premier film, Le château de Cagliostro, on retrouve le personnage d'Arsène Lupin. Le personnage de Sherlock Holmes est repris dans la série animée du même nom. En 1985, Miyazaki fonde les studios Ghibli avec son ami Isao Takahata, dont le gros chat de Mon voisin Totoro en est le symbole. À présent, je vous propose de découvrir le top 5 de mes films préférés d'Hayao Miyazaki. Numéro 5, Le château dans le ciel. Numéro 4, Princesse Mononoke. Numéro 3, Arrietty, ex aequo avec Nausicaa. Numéro 2, Le château ambulant. Et en première proposition, Le voyage de Chihiro. Voilà, cette vidéo est terminée. Tomo arigato, merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Sayonara!